Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Forge et Magie. On est sur une capsolution qu'on va essayer de faire soit en Exo Res R, soit en Overvita, selon les jets qui se présentent à nous, et avec éventuellement des tentatives PO ou autres, selon ce qui se passe. Alors, on commence avec 91 depuis, sur un jet qui est pas trop mal, puisqu'on a les 40 de sagesse. Ça fait plaisir. Je vais commencer par l'Overchance, qui va nous permettre d'aller chercher le jet perf en chance, donc moins 10. Je vais enlever l'Over à la rune Ray neutre. Ne commencez pas à me faire rire dans les messages, s'il vous plaît. Ok, on est sur un succès neutre, c'est parfait. Est-ce qu'on a les deux hauts? On a le crit. Est-ce qu'on a les deux poux? Ok, moins 4. Eh bien, c'est déjà. On part déjà sur de la grosse tenta dès le début, ça fait plaisir. Ce qui me fait donc 77 de puits restant. J'ai fait moins 4 là? C'était pas moins 4, hein, c'était moins 3. Ok, on part sur un fail comptage depuis dès le début. Donc normalement j'ai 78, mais pour être sûr, je vais recompter avec vous. Donc ici, on est à 91. Ensuite, moins 10. Et ensuite, moins 3. 78. 78, 78. Ce qui peut nous faire 2 runes vie, 2 runes pavie et 7 runes ravie. On va faire ça. Deux échecs, sans surprise à ce stade. Ok, et les 7 ravis. On en a une, on en a deux. Ok, on est déjà sur un jet plutôt sympathique. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 95 de puits sur ce PA qui vient de tomber. La sagesse, elle va rester à 39. On va commencer par un overchance. Ok, moins 20. Qu'on va récupérer sur une rune Ini. Ok, ça passe pas, dommage. Moins 1. Ensuite, on va monter les dommages. Moins 10. Les raises élémentaires. Ok, ça crit. Les neutres. Moins 6. Ok, on a encore une belle tentative. 58 de puits. On va faire. Ah, ça pourrait presque être intéressant de ne pas dépasser le palier des 300 pour mieux passer des ravis. Mais on va être joueur quand même. On va aller au bout. On va mettre les deux vies, les deux pavis. Et les 5 ravis. Une, deux. Ok, on a déjà un jet sympa. Est-ce qu'on a peut-être une troisième? Non. On a déjà un over plutôt cool. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 64 de puits restant là sur cette tentative un peu bancale à base de runes invoque. Mais on pourra peut-être en faire quelque chose quand même. Donc on va tester. Le problème, ça va être la chance. On va commencer par l'arrachat. Faudrait que ça passe assez vite parce que sinon on va vraiment bouffer du puits dessus. Ok, moins 20. Ça aurait pu être pire, on va dire. On va l'enlever à la rune repair. Ok, moins 6. Dommage. Et. Oh, du crit. Intéressant. On va ensuite mettre une rune. On verra après. Je vais essayer d'aller chercher le GPR et faire de l'exorèse en fait. On verra comment ça se passe. Là j'ai moins 2. Là j'ai moins 6. Parce que là en fait avec des. En bidouillant avec des runes pod, je peux aller chercher du GPR et ça j'aime beaucoup. Moins 15. Moins 3. 18 de puits restant, là ça va être un poil complexe. On va tester. Ici la ravie passe, on pourra peut-être faire des trucs. Ouais, non, c'est chaud. Ok, le crit. Oh, bah intéressant. Donc on en a 8 de puits restant. Si j'enlève la rune pod. Tac, bon on a 8, du coup on a une tenta res. Je vais mettre de la res R là-dessus. C'est ce qui me paraît être le mieux. La rune O, enfin la res O, ça aurait pu faire l'affaire également. La GPA. Qui passe pas. 90 de puits pour ce PA qui vient de tomber ici. On va commencer par la chance, tout simplement.
Oh, qui est capricieuse, moins 20. Oh, bon, ça va, c'est passé en crit. Alors, il faudrait qu'on récupère les 3 de chance. On va les récupérer à la pas faux, je pense. Ok, ça passe pas. Ensuite, les runes de dommages. Ok. Moins 10. Là, pas ça. Moins 27, bah c'est capricieux. Dommage, on avait une belle tenta et là du coup on va être un petit peu limité. La ravie, moins 10. On a 23 de puits. Alors si j'avais pu avoir un de puits d'avant, ça m'aurait bien plu. Mais là, sur une ligne qui a cette tête, en général, on part quand même pas gagnant. Ouais, là je pense que j'étais retombé à zéro, c'est quasi sûr. Du coup, on va tenter peut-être un crit à la Runini. Qui sait, ça peut arriver. Allez, un crit s'il vous plaît. Non. Du coup là on a eu moins 2. On peut tenter des runes vie. Ou même on peut tenter une rune sagesse. Moins 2. Et une rune vie. Ok, donc là on a 18. Soit 3. Tenta res air. Hop. Un peu léger mais bon. On a soigné le G. On a fait ce qu'il fallait. Qui est 2%. Bah 2% c'est déjà pas si mal. Hein. C'est parfois ce que j'ai sur 12 tentas, donc on va pas se plaindre. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 90 depuis ici. On a les 40 de sagesse. En revanche, la chance va poser un petit souci. On va quand même aller chercher les 80 parce qu'on est comme ça. Mais là, ça risque de nous taper un petit 50 depuis. C'est triste, mais c'est la vie. Il n'y avait pas vraiment d'autres options. Donc 40 ici. Je peux aller chercher le GPF en fait. Je vais y aller. Je vais complètement y aller. On va faire un moins 6 là-dessus. Et on va mettre une pavie. Ok. Ensuite. Là, bon, ça crit. Très bien. Bon, il me reste 40. Ça va être un peu chaud avec 40 quand même. On va voir. On va déjà remonter ça. On verra ce qui reste à la fin. Mais en fait, si je fais deux fois pavie et je vais à la pod, après, je le retombe. Mais là, ça va être chaud. Moins 16, 24. Ouais, non, c'est chaud là. C'est très chaud. On va plutôt mettre une ravie. Moins 10. Et simplement y aller sur 2 Tantarès. On a 2 de puits qui restent. J'aurais vraiment été chaud d'y aller à la pod, mais là on avait plus assez de puits en stock en fait, tout simplement. Donc c'était compliqué. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 96 de puits sur ce PA qui vient de tomber. Bon, on n'aura pas le perf là à cause de la sagesse. Mais on va être un peu moins traumatisé par la chance. On va dire que ça c'est la bonne nouvelle. J'ai un moins 10 qui est sorti. Alors. Qu'est-ce que je fais avec la Vita là? C'est un petit peu la question que je me pose. Je pourrais tenter les deux pavis. Je vais faire ça. Ça peut être un petit peu capricieux, mais ça a quand même des bonnes chances de passer. 5, 6, 7. Normalement, ça peut le faire, hein, mais. Ok, je suis en. Non, j'en ai mis une de trop, je suis un chien. Oh, la petite latence qui me met au fond. Bon, bah, on perd 3 de puits comme on a tardé. Nickel. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moins 36. Oh, je suis tellement un gogol. J'en ai mis une de trop. Incroyable. Incroyable. Moins 5. Déjà, je suis pas convaincu que c'était une bonne idée d'y aller à la pavie. Et le petit misclic ne nous fait pas plaisir. Hein. Moins 18. Bon, il va nous falloir du crit à la pado parce que là on est un peu dans la tourmente. Non. Dommage. 85 de puits pour ce PA qui vient de tomber. Alors on va avoir la chance qui va bien s'agencer avec la Vita. Tac, on a le crit déjà, ça commence plutôt bien. La pavie. J'étais pas sur la bonne touche. Ok, j'aurais bien aimé que ça passe. On va monter. Ah, on a un gros G en fait là. Hein. On a un G qui est déjà très très propre. Moins 10. 75 restants. On va monter la petite pavie qui crit. La ravie. Alors une. Ok. Moins 10. Eh ben, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Est-ce que j'ai une chance d'avoir du puits restant d'avant? Là j'ai eu un plus 0,4. 4. Ah, il faudrait que je vois ce que j'ai eu ici. Ah, moins 1% crit, moins 2 chances. Moins 12. Avec quoi j'aurais pu faire tomber ça? Faudrait que j'aille check à la limite.
Je pense que j'ai 66, mais je ne suis pas sûr complètement. J'étais sur de la rachat. Alors en fait, dans les cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question de ce avec quoi on a fait tomber les runes en fait. Et là, si je vois que j'ai j'ai un plus 12 mais moins le poids de la rune, normalement ça veut dire que j'ai passé un truc qui devait peser assez lourd quand même. C'était peut-être une ravie, auquel cas j'aurais eu plus 2. C'est compliqué. Bon, on va la jouer safe, on va dire qu'on a que 65, mais je pense vraiment que j'ai 66, mais j'ai pas envie de prendre de risque en fait. Donc, ce qu'on va faire, ça va être tenter la rune sagesse, histoire de soigner un peu le G. Deux runes. Même ça sert même plus à rien. Non, on va y aller tranquillement sur 10 Tantarès, mais je pense vraiment qu'on en avait 11. Hein, si j'avais voulu tryhard, j'aurais pu remonter le chat. Et check l'historique du FM, enfin du live, pour avoir le record. Mais on a 10 Tantarès, c'est déjà pas mal. De toute façon, tout va se jouer sur le PA. Mais voilà, je pense vraiment qu'on aurait pu en choper une de plus. Alors 2%, 3%, 4%, oh! 4%, on est sur une super tentative, j'en ai encore une. Ok, 4%, et eh bien peut-être qu'on aurait eu un 5%, qui sait? Peut-être qu'on aurait eu un 5% si on avait soigné les choses. Bon, récemment, ça a été un petit peu dur la Forge Magie pour moi, je vous avouerai. Je sors d'un FM de Boneco qui m'a pris 26 PA pour en avoir un qui passe. Ça me ferait plaisir d'avoir le PA sur un 4% comme ça, ce serait vraiment chouette. Voilà, cet item, 80 chances en 348 vita, 38 sagesse. 4% R, c'est vraiment quelque chose qui a sa place dans la méta actuelle. Et ce serait. Ouais, ça me ferait plaisir de le passer. Donc, si il y a quelque chose comme le karma qui existe, si. Ouais, peut-être que je le mérite, quoi. Peut-être que je le mérite. Allez, on tente. Et ça passe pas. Dommage. 94 de puits sur ce PA qui vient de tomber ici. On va commencer par le petit overchance. Ok, moins 20, ça va. Qu'on va venir récupérer. Allez, à la réfixe. Suivi du Dopu qui crit, de la Passa qui passe, moins 9. 65 de puits restant. On peut peut-être faire. Je vais y aller là sur de la Vita parce qu'on pourra pas chercher le. J'allais dire, on pourra pas chercher le gros jet en vie, mais quoique. Non, on va mettre une ravie plutôt. Et essayer de récupérer ce qui reste, parce que de toute façon, on n'aura pas le perf. Moins 10. La petite rune reste fixe. Moins 10. 55, 56 de puits. Idéalement, je pourrais tenter les crits très neutres. Ah, je peux tenter le double succès crit à la Raynaud, quoi. Il me faudrait vraiment full crit. Je peux plus maintenant. Je peux plus parce que même si j'en ai deux, en fait, ça me mettra 8 Raynaud et ça fait plus que le poids d'une rune raise. Donc, on est sur un équivalent de 54, donc 9 tenta. C'est parti. Allez, 1, 2. 2%. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. On a fait tomber le PA avec une rune Rasa qui en plus n'est pas passée, donc c'est toujours un peu délicat. 76 de puits, on va être, je pense, un peu short, mais je tente quand même. L'overchance déjà va être compliqué. Bon, bah, je crois que là. Voilà, super pu PA, nickel. 93 de puits pour ce PA ici. Alors on a un petit souci de Vita et on a surtout un gros souci de chance. J'espère que ça va passer sans trop poser de soucis. Eh bien oui. Qu'on va pouvoir récupérer à la pavie, voire même, oui, à la pavie. Ok. Ah tiens, j'ai tapé dans le puits là, faut pas que je zappe ça. Attention à ne pas louper ce genre de détail qui n'en est pas un. Ok, et donc là, on peut récupérer la fin sur les raises. Tout se passe à merveille, les amis, c'est super. 80 de puits restants, on va garder la Vita pour la fin. On va mettre les raises. Moins 24, dommage. Les dommages. Moins 5, on s'en sort pas trop mal. Et on va y aller à la ravie pour monter la Vita avec une valeur qui a été calculée pour qu'on tombe bien.
Ok, moins 30, c'est pas trop trop mal. 21 de puits restants, on a 3 de puits en rab. Alors on peut soit tenter le succès crit sur une, par exemple sur une rune pas faux pour essayer de gagner une Tantarès, ou alors tenter la rune sagesse qui peut aussi nous soigner un peu plus léger. Je pense que je vais faire ça, je vais tenter la sagesse. Ok, donc ça nous fait 18. Soit 3 Tantarès. Allez, 1, 2 et 3. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 90 de puits pour ce petit PA qui vient de tomber ici. Alors encore une fois, on a la chance à 79, décidément, c'est pas la joie. Mais encore une fois, ça se passe bien et on a la raie qui passe direct. Donc on n'est pas trop trop en galère. Et je me rends compte que le G est pas mal du tout sur le reste. Ok, ça se passe très très bien. La crit. Qui crit, eh bien les amis, on va avoir une superbe tentative. La ravie qui passe. Moins 10, ce qui serait magique. Alors là, je peux tenter éventuellement l'ini, parce que si j'ai un moins 6, je me mets bien. Dommage. J'aurais aimé une raie neutre en fait pour avoir un crit. Là, j'ai eu un moins 7. Ah, je regarde si j'avais pas un peu plus d'avant, mais ça va être très chaud, je pense. Il va nous falloir un crit. En fait, j'ai hésité à mettre une raie neutre, parce que si ça passait, je gagnais une tenta. Mais d'un autre côté, à l'initiative, j'aurais pu avoir un moins 6 et tomber à 350. Bon, bah, j'ai voulu jouer. Voilà. Bon, ok, c'est mort. Donc, on a 11 tentatives, ce qui est quand même tout à fait correct. Est-ce qu'on a à nouveau une tentative à 4%? Ce serait vraiment, vraiment génial. Allez, 1, 2, au moins 3, j'espère. 3. Bon, 3%, c'est déjà très clean, hein. Si on a les 3% là-dessus, je ne crache pas dessus. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 de puits ici, on va pouvoir avoir du beau jet, puisqu'on a la sagesse à 37, donc à 40, moins 9. On va également s'occuper de la chance, qu'on va tout de suite maxer. J'aurais éventuellement pu tenter le passage à 70 à la Pacha, mais apparemment aujourd'hui j'ai de la chance sur les rachats, à la, oui, Pacha, je voulais dire, hein, pardon. Mais j'ai de la chance sur les rachats, donc tout va bien. On est absolument au calme. On a la petite rune d'eau, oh, ça se passe à merveille les amis, mais en fait on a déjà fini de monter le G là. 65 de puits, est-ce qu'on n'aurait pas un tout petit peu de résidu d'avant? Je recheck, on était ici à plus 3, là a priori on a perdu peut-être 1. Et là on a perdu, alors attendez, on était à 3, là on a eu moins 1, et là moins 1, ok on a plus 1 normalement, si je me suis pas trompé. Puisque là, regardez, là j'ai eu 3 avec la sagesse, puisque les runes res se compensent, la sagesse me fait plus 3. Et là, normalement, c'était de la rune res. En fait, tout dépend si c'était bien de la rune res neutre ici, mais je pense que oui. Donc là, j'ai eu moins 1, et là, j'ai eu moins 1. Donc il me reste 1 de plus, donc j'ai 11 tentats. On va voir si mes prédictions sont bonnes ou pas. Alors, d'un autre côté, j'ai quand même envie de. Je me dis, en fait, si j'y vais en Exorez ici, bah, j'aurai un G correct Exorez, alors que si j'y vais en Overvita, j'aurai du G perf Overvita. Puisqu'il n'y a que la Vita qui n'est pas maxée ici. Donc en fait, on va y aller en Overvita parce qu'on est un fou. Donc on va mettre 2 pavis et 6 ravis. Allez, 1 et 2. Et en plus, on a un crit. Et 6 ravis en espérant que je ne me sois pas viandé dans le comptage du puits, hein, ce qui est quand même pas impossible. Ok, 411. Ok, j'ai bien compté mon puits. Est-ce qu'on a le PA sur ce G perf over Vita? On n'a pas le PA. Le PA est tombé sur une rune Invo qui en plus n'est pas passée, donc on est un petit peu dans le caca, hein, on va dire les choses concrètement. Ce que je vais faire, c'est quand même essayer d'exploiter le truc et de terminer par un double succès. On verra ce que ça donne. Donc, l'overchance, moins 10. Je vais tenter la rune vie. Si je pouvais avoir une vie de pavis, ça me mettrait à 349, ce serait génial, mais j'y crois pas trop. Tac et tac. Ok, on a tapé dans le puits. Moins 3. Voilà. On a 57 de puits restants. Je crois que. Alors, je pourrais essayer éventuellement pavis. Et y aller ensuite en res, si la pavie passe, ça peut le faire, mais non. Donc encore une pavie, une vie, et 5 ravis. C'est le mieux que je puisse faire, je pense. Bon, c'est pas dingue hein, comme over. On va commencer par l'invo, est-ce qu'on a l'invo? Bon bah voilà, c'est réglé, tant pis.
Et on se retrouve deux runes plus tard, comme vous le voyez, le PA qui tombe à nouveau. Bon, ça va être un peu compliqué à exploiter. Je vais commencer par les Dopu, comme ça il ne nous reste plus que la Vita à gérer ensuite. Moins 30 là-dessus, c'est un peu dommage. On va monter la vie comme on peut. On va aller chercher un G qui nous met pas trop trop mal, c'est-à-dire... Hop, 196. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 18. Et je suis même pas sûr qu'on va pouvoir remonter le G. Sauf s'il y a du crit comme ça. Ok, moins 20. Et on a 2 depuis pour faire un super over. C'est génial les amis. On va déjà voir si on a le PA. Voilà, c'est réglé. Le PA qui est tombé à la pavie, comme j'ai l'invoque qui est tombé juste avant, j'avais un peu de puits résiduels. Selon moi, je suis à 99 depuis, ce qui va nous laisser quand même de quoi faire des choses. On va partir sur la vie, la chance, pardon, moins 20, qu'on va enlever. En fait, on a déjà un gros G, donc on va simplement l'enlever sur une rune de type. Si je trouve ça. De type rune tacle. Hop, voilà. Ce qui nous laisse donc 79. On va monter la vie. Oh, on a du petit crit. Moins 10. 69 restants. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'invoque? Je pense que je vais partir sur une Tenta Sagesse. J'espère que je me suis pas viandé dans le comptage depuis, mais normalement c'est bon. Tenta Sagesse qui nous fait 11, 11 repères R. En espérant que la 11e passe bien, mais je pense que je suis à peu près tranquille. Ok, est-ce qu'on a encore une Tenta 4%? Oh! Les amis, deuxième chance. Deuxième chance. Alors, je vais faire le mec qui s'est pas trompé dans le comptage depuis, et je vais tenter le 5%. Peut-être que je vais le regretter en foirant le truc. Mais je suis à peu près sûr de mon calcul. Je ne m'étais pas trompé, ça fait plaisir. On va commencer par l'invoque. Allez, on y croit. En plus, c'est exactement, je crois, le même G sur lequel j'avais eu une tenta 4% hier. Le karma m'offre une deuxième chance, la vie m'offre une deuxième chance, les amis, d'avoir ce 4%. Est-ce qu'on a l'invocation? On n'a pas l'invocation, on n'a pas les 4%, ce sera peut-être pour la fois prochaine. Peut-être, on verra bien, tant pis. 90 de puits sur ce PA qui vient de tomber. On a les 40 de sagesse, c'est une bonne nouvelle. En revanche, la Vita est pas top top. Je vais monter la chance, on va arriver à 60. Donc on n'aura pas besoin de faire d'over, mais parce que le G est quand même relativement bas dans l'ensemble, on a moins 18 ici. Ça va être un poil compliqué. Je vais monter les raises. Moins 12. La rune cri. Moins 20. Ouh, ça coûte cher, hein, ça fait mal. La chance. Il faudrait du crit, éventuellement. Moins 20 aussi. Bon, je pense qu'on va être un peu short. C'est même pas dit qu'on puisse aller au bout. J'ai eu moins 3 pour l'instant. On va aller chercher le 247. Encore moins 6 ici. Si on avait du crit à la ravie, on pourrait aller chercher du G sympa. Mais on va être un peu embêté quand même. Dommage, ça ne passera pas. On a le PA bien sûr là-dessus, classique. 96 de puits sur ce PA qui tombe à la rune invoque, hein, ce qui nous met toujours un petit peu dans l'embarras, mais on a aussi beaucoup d'autres runes qui sont tombées en même temps. Ce qui fait qu'on a tout de même un puits correct. On va y aller sur la chance en premier, comme souvent. On a un moins 30, ça picote. On l'a senti passer. La pavie. Ok, qui passe. On va garder la vie pour la fin, on verra ce qu'on en fait. Moins 18 pour les raises. On va y aller à la pas de haut, on entend peut-être un crit. Ok, bon, ça passe, c'est déjà ça, moins 15. 33 de puits restants, je pense qu'on va faire une pavie et 3 ravis. Je pense que là, c'est la meilleure chose à faire dans cette situation. Ok, on a un petit over, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Bon, on m'a fait remarquer que j'avais eu un crit à la pavie avant, que j'avais zappé, mais on n'a pas eu le PA, donc c'est pas très grave.
On a ici 88 depuis, pendant qu'on remontait le G, et je dois dire que le PA est tombé un peu vite. On va quand même essayer de l'exploiter, parce qu'on essaye toujours. Et là, on va quand même tomber sur du G-perf si on a du crit et qu'on arrive à remonter assez haut. Donc bah, j'espère que ça va le faire. On a moins 6. On va commencer par mettre la chance. Heureusement, on a la sagesse déjà qui est là. Un peu de crit, ce serait appréciable. Voilà, il suffisait de demander. Moins 30. Allez, la Vita. Du crit. Allez, c'est ça qu'on veut. Nickel. Moins 10. 42 restants. Il va nous falloir ça en crit. Et bah voilà, on en a du crit là. Non, j'ai parlé trop vite. Moins 18. Un petit 4% sur du GPerf quand même, ça met très bien. Hein, mais. Moins 10 et il nous reste même pas de quoi mettre nos derniers dommages. Il nous reste la petite Dopu qui crit. Est-ce qu'on a un crit et la pas de haut? Oui! Et ben voilà! Voilà. Bon, allez, normalement il faudrait que je mette les raies neutres. Allez, si on a un crit raie neutre, ça le fait. Enfin, deux crits du coup. Donc c'est mort. Donc deux Tantarès. On a 1%. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 90 de puits sur ce PA qui vient de tomber, on va pouvoir aller chercher le G-Perf, à condition bien sûr qu'on ait suffisamment de puits pour y aller, mais là on est bien, on a la sagesse et la vie qui vont tomber nickel. J'ai la Racha qui n'est pas trop capricieuse, j'avais dit 90, hein, donc 80. On va enlever le petit over avec une Do-O. Ok, on est sur ce genre de crit improvisé. Du coup, bah, on va se rattraper sur les pavis. On est sur. Ah oui, on commence sur du gros gros G. Du coup, je me retrouve avec un petit over de 5 qui m'embête, mais sur un item qui est déjà archi soigné. Donc, on va pas se plaindre du tout. On va simplement l'enlever avec un dos-feu au hasard. Qui passe en plus. Et bah, ça commence très 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 bien tout ça. On va mettre les deux ravis. Du crit, incroyable. On a donc moins 5 et moins 10 et on a 65 de puits. C'est magnifique. Est-ce qu'on a un petit puits en rab? Là j'ai eu plus 10. Là j'ai eu moins 1. Oh, ça m'a. J'ai vraiment pas l'impression qu'il m'en reste. Quand on voit les moins 11 vita, moins reliquat à la fin, en général ça sent pas très bon. Là, je suis quasi sûr que je suis à zéro. On va essayer de mettre un petit crit, allez, à l'ini. Ce serait chouette. Un crit. Non. Bon, allez, tant pis. On va dire 10 Tantarès. Mais là, peut-être qu'on va passer notre 4% sur ce magnifique G-Perf. Je ne vous cacherai pas que l'idée me plaît beaucoup. On va voir ça très vite. Alors, 1%. 2%. 3%. Fail comptage de puits. Je sentais bien qu'il y avait un truc bizarre au début. On est sur une tristesse, les amis. Est-ce qu'on repasse le crit? On repasse pas le crit. Est-ce qu'on repasse le PA? On repasse le PA. Je suis archi triste. Je sentais bien qu'il y avait un truc bizarre avec le. Je sais pas ce que j'ai foutu. Aïe! Je sais pas ce que j'ai foutu au début avec le puits. Là, j'avais 80. Ah bah oui, il y en avait que j'ai pas compté. Il y a un moment, j'ai mis à 0, je voulais faire moins 10. Oh, je suis saoulé. Elle était belle. On avait peut-être le 3% perf. On l'a loupé à cause d'un fail comptage de puits. Non! Le traumatisme de l'échec comptage de puits de la magnifique Tanta précédente est encore présent, mais on va essayer de remonter le niveau comme on peut avec ce 94 de puits sur un PA qui vient de tomber. Je pense qu'on va partir en over Vita parce que là ça va être compliqué de faire autrement. Du coup, je commence par les raises. Moins 12. Là, pas ça. Moins 27. Ça pique. La rachat. Ou les rachats plutôt. Moins 10. Et là, je pense qu'on va y aller en fonction de ce qu'il y a. 45, je pourrais faire. Je pourrais faire 5 pavis et 3 ravis. Je pense que je vais faire ça. Ou alors. Alors, je vais déjà en mettre une pour voir ce que ça donne. Ok, moins 3. 306, ou alors je peux tenter la ravie et y aller ensuite en exorèse.
Ça peut aussi être un plan. Ouais, je me sens plutôt de faire ça. Je sais pas, j'ai envie de passer des raises. Moins 10. Donc 32 restants. Est-ce qu'on a le moins 6 aligné? Ce serait pas mal. Le crit, toujours là où on l'attend pas. Hein, classique. Bon, du coup, là, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire de ce qu'on a en rab. Ah, bah si, on peut faire une tenta sagesse. Et ensuite, on aura 5 tenta raise. Ok. Alors, 2%. Ok, on a eu un crit. Est-ce qu'on a un troisième? Non. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 de puits pour ce PA qui vient de tomber ici. On va avoir les 42 sagesse. Est-ce qu'on va les chercher maintenant? Non. On va commencer par la chance. Moins 20. Alors, on a 5 à récupérer. On est déjà sur un G qui est déjà quasi maxé. On va y aller à la rune d'eau feu. Ok, on va récupérer. Enfin, on va plutôt passer la passa. Moins 27 à nouveau, ça coûte cher, hein, décidément. On va monter la vie à 346. Moins 30. Ce qui nous laisse 17. 17 de puits restants. Est-ce qu'on en avait un petit peu d'avant? Là, j'ai eu un moins 3. Là, j'ai eu un plus 3. Et a priori, là, j'étais à 0. Donc, je ne pense pas. On va essayer le petit crit à l'ini, éventuellement. Ça crit vraiment toujours quand il n'y a pas besoin, hein, c'est incroyable. Bon, de toute façon, c'est mort, hein, j'en ai mis une de plus là, mais ça change rien. Donc, on a deux tentas, tout simplement. Deux tentares, une et deux, qui ne passent pas. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 de puits sur ce PA qui vient de tomber. On a un G qui est pas trop mal, hein, franchement. J'ai presque envie d'y aller. J'allais dire, j'avais envie d'y aller en devoir vita, mais non, là, c'est trop tentant d'aller chercher le. Les exorèses conséquents. Donc on va y aller à la ravie qui passe. Ça commence vraiment très bien. Je vais même y aller à la sagesse des fois que pour essayer de soigner le G. Parce que là, de toute façon j'ai 84. Donc bon, allez, la rune sagesse. Je vérifie que j'ai rien oublié, que j'ai pas louché. Moins 15. Vous voyez, si on fait diviser par 6, ça nous fait 14 tentas. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas spécialement cherché à récupérer les 3 de plus là. On peut donc partir sur un 14 tentas repair R. Est-ce qu'on va finalement passer ce 4% ou avoir un vrai G? De toute façon, depuis le début du FM, j'ai vu 2 4% en moins de vita, moins de sagesse et 1 3% perf me passer sous le nez. Donc il faut bien qu'au bout d'un moment. On a un beau truc qui sorte. Est-ce que ce sera maintenant? Ça commence mal a priori. Ok. Oh. 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 Oh là là. Bon, cette fois-ci, j'ai bien compté le pion, on est d'accord. Hein. Pas de blague. Hein. Pas de blagounette. Hein. Quatrième tentative. Non, troisième tentative à 4%. Décidément, sur cet item, il se passe des choses. Et les deux premières que j'avais, c'était sur du 348 Vita. Et là, on est à 350 Vita. Donc, j'ai même une meilleure tentative que celle que j'avais avant. Je vais prendre un petit moment pour le contempler, si vous voulez bien, parce que je sais que ça passera pas, je connais le jeu. Est-ce que j'ai passé la dernière en plus? Attendez, j'ai un doute, j'en avais 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Normalement, j'en ai encore une. J'en ai encore une, mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai flingué un G. On va recompter, hein. On va tout refaire parce que là, on est quand même sur du gros G. Ça mérite qu'on prenne le temps de recompter. Alors, on était ici à 94. Là, il n'y a pas de doute. Là, on a moins 10. Sur là, on a 84 ici. Là, j'ai pas perdu de puits. Et là, donc, j'étais à 84. Et on est bien à 14 tentatives. On est d'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il nous en reste une. Est-ce que on se chope une petite tenta à 5%? Allez, allez, on fait ça ensemble. Non, bon, c'est pas grave. C'est le PA de toute façon qui va tout déterminer. Bon, je peux peut-être me dire que s'il passe pas là-dessus, je l'aurai sur un 40 sagesse. Qui sait? Allez, on tente. Et on n'a pas le PA.
97 depuis sur ce jet. Bon, il y a un peu de dépit qui s'accumule au fil des tentats. Mais on a un mental solide quand même, donc on va le faire. 82 de chance du coup, avec un petit moins 20. On enlève l'over. On va aller chercher les 300 et quelques de Vita. Voilà, on se comprend. Nickel. Donc là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 24. La ravie. Qui passe. Moins 10. 42 de puits restant. Ok, j'ai un de puits en rab, j'en ferai rien. Donc on va faire 7 tentarèses. Mmh. 1%, super. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 84 de puits sur ce PA qui vient de tomber ici. On va commencer par la chance où il faudra faire un over. Alors on m'a suggéré à plusieurs reprises de forcer le passage à 70 quand je suis à 67. Je vous avouerai que je suis quand même pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. On va tester comme vraiment vous avez été plusieurs à me le dire. On verra si c'est concluant. Ok, effectivement, moins 6. C'est mieux qu'un échec à Lara, mais si on a Lara qui est pas trop capricieuse, je sais pas. Il faudrait faire plus de tests pour voir ce qui vaut le mieux. Alors par contre, là, les petits crits me mettent plutôt bien. Et ben, je crois qu'on va encore avoir une belle tenta, en fait, là-dessus. Hein. On va encore avoir un truc solide. Je vais aller chercher les 300 comme ça. Comme ça, on tombera sur un G plutôt propre. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 21. 57 restants, on va passer la petite ravie. Qui passe, moins 10. 47 restants, est-ce qu'on n'aurait pas un petit restant d'avant? Ça me paraît assez compliqué, mais bon. On va simplement tenter le critini. Si ça passe pas, on tentera la sagesse éventuellement. Allez, un crit, s'il vous plaît. Un crit. Un crit. Dernière tenta. Non. Donc on va mettre une rune sagesse qui passe pas, hein, sans surprise, et 7 runes res. J'espère que j'ai pas fait le guignol, là. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai moins 6, donc j'ai 41. Non, non, c'est bon, je me disais bien. Non, normalement, j'avais bien calculé mon truc. Donc, 7 tenta. Go, go, go. Allez, 1, 2. 2%, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Bon, bah, je suis presque frustré parce que j'essaie de leur raconter une histoire dans le chat depuis tout à l'heure. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que le PA saute, quoi. J'étais en train de dire, le PA, il saute jamais quand vous voulez, mais bah, dès qu'il y a besoin de raconter une histoire et d'avoir un truc chill derrière, bah, il n'arrête pas de tomber. Donc c'est super. Bref, on a donc 80. Là, je devais avoir une rester. Donc là, j'ai eu 4 plus 94. On est à 98 depuis. Alors, on n'aura a priori pas trop d'over à faire. Je pense que là, ça va partir en over vita cette fois-ci. Je le pense vraiment. On va commencer par la chance. Moins 6. Parce qu'en fait, là, on va pouvoir aller chercher du G-perf, sauf en vita. Donc, on va faire un over vita, tout simplement. Ok, j'ai eu moins 40 pour la chance. Je vais repasser les dommages. Hop, les petits crits. Les runes résistance. 12. 18. 34 de puits restants, c'est un peu léger, je vous avouerai que c'est pas beaucoup. Ok, on a un crit qui nous met plutôt bien. On va faire vie, pas vie et 3 ravis. Vie, la vie. Ça aurait presque été mieux qu'elle passe pas, à la limite, parce que là, ça va nous faire de l'over direct, mais bon. 3 ravis. Bon, bah, on est sur un gros G, hein, attention. Techniquement, c'est du G perf over vita. Et de toute façon, le PA passe pas, donc il n'y a aucun souci. 89 de puits ici, on a les 39 de sagesse qui nous embêtent un petit peu. On va gentiment commencer par la Vita, je pense, dans un premier temps.
voir où ça nous amène. Là, on va avoir. On va, je pense, aller chercher les 297. Donc, on va y aller tout de suite. Ou alors, je garde ça pour la fin. Non, on va y aller maintenant. Allez, c'est parti. En espérant qu'on ait pas mal de crit, ça m'a l'air relativement bien parti. Ok, c'est pas mal. 2, 3, 4, 5, moins 15. On va mettre les petits dommages. Moins 15 aussi. Les res neutres. Moins 6. L'arrachat. Moins 10. La ravie. Moins 10. Et ça nous fait un petit 33 de puits restant, soit une tenta sagesse. Et 5 tentarèses. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 85 de puits sur ce PA. On va pouvoir aller chercher le GPR Fauveur Vita. Ça fait plutôt plaisir. Et je me rends compte qu'on a un G qui est pas mal, hein, qui est déjà bien soigné. Alors, moins 6 ici. Moins 10 ici. 69 restants. Je pense qu'on va faire 3 pavis. Et à moins qu'il nous en reste un petit peu d'avant, mais j'en doute. Ouais, j'en doute vraiment. Donc 3 pavis. Et 6 ravis. Hop. Bon, ok, on a un over pas trop mal là. C'est quand même plutôt propre. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 98 de puits sur ce PA qui vient de tomber ici. Alors on n'a pas l'invoque, donc on va terminer par le double succès crit, ce qui peut donner des choses potentiellement stylées. On va passer la chance. J'ai presque envie de monter à 70 comme ça en fait, mais non, là ce serait débile, je pense. On va plutôt y aller à 71, puis 81 et enlever l'over comme on peut. Moins 20. Ok, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas les ravis en stock. On va aller fusionner ça tout de suite. Ravis, hop. Bon, je vais en faire 80 parce que j'arrête pas d'en crafter depuis tout à l'heure. En fait, c'est un petit peu frustrant. Ok. Je disais donc, il nous reste 72 de puits. On va mettre les petites ravies. Oh, ça passe vraiment bien. Moins 10. 62 de puits restants. On va mettre 10 repères. Je pourrais tenter, hein, tenter le double succès crit ré neutre, mais bon, je vous avouerai que, comme de toute façon le PA ne passe pas, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. On est donc là sur du 2. 2%. Est-ce qu'on a l'invoque déjà? On a l'invoque. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Eh bien, enfin, il se passe quelque chose. 2%. 2%, c'est un peu léger, hein, par rapport à tous les jets qu'on a vus. Mais je crois que la vidéo a été assez longue en fait comme ça, et qu'on a déjà fait beaucoup de tentatives. C'est vraiment très dur pour le moral de. On a quand même vu deux fois 4% en 348 vita, 39 sagesse, 38 sagesse, pardon. Une fois 4% en 350 vita, 80 chance, 38 sagesse. Une fois 3% sur GPR que j'ai foiré comme un attardé. Et au final, on se retrouve avec un 2% sur un G qui n'est même pas perf. C'est un peu dur, normalement ça part en PO, mais voilà, c'est vraiment pour des questions de durée de vidéo que je m'arrête ici. Pour ne pas vous faire un long métrage sur le FM d'un item, parce que je sais que c'est pas forcément intéressant pour vous. Donc on y reviendra, vous inquiétez pas, on continuera à faire plein de tentas sur ce genre de choses. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner comme toujours. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.